j'étais où? Ah voilà, c'est ça. Alors, en tout, il y a 932 tics d'acteurs répertoriés et j'en ai déjà catalogué 9 épisodes fois 5 tics par épisode. Bon, mais il y a encore du boulot. Hein. Tic numéro 41, dans pas mal de séries et dans beaucoup de films chorales, les yeux plissés et la bouche qui fait ouf, pour bien montrer que Shannon, la sœur de Colin, s'est bien fait casser par Josh, le demi-frère de Lisa. Allez, arrête un peu, la jalousie, là, c'est relou. Mais pas du tout, mais rien à foutre, je suis pas jalouse, il se tape que des vieux tons. Et ta mère, c'est pas un vieux ton? Ouf, ouf, ouf. Tic numéro 42, les yeux qui sourient en face à face et qui deviennent tout noirs dans le dos, pour bien montrer que... Alexandra... Elle va pas faire long feu. Mais je sais que c'est pas de ta faute. Et puis tu savais pas que c'était un infiltré. Et qu'il tomberait amoureux de toi. Allez, viens, on va se faire un joli week-end à Miami. Tic numéro 43, deux tics en un, dès qu'il y a un serial killer qui passe un coup de fil pour narguer le FBI, la main de l'agent numéro 1 qui claque des doigts vers l'agent numéro 2 avec les mains de l'agent numéro 2 qui mouline de l'index... Pour bien montrer qu'on a le mec au bout du fil et qu'il faut meubler pour le localiser. Localiser, localiser, localiser. Au cœur, j'écoute. Alors, tu collectionnes les têtes de femmes décapitées? Ah, ben je vois que t'as toujours cet humour un peu tranchant. T'inquiète, j'en aurai bientôt beaucoup plus pour toi. Parle-moi un peu de toi, ton enfance, tes failles. Allô? 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 Ah putain! Ah putain! Tic numéro 44, les deux mains qui tiennent les genoux recroquevillés sous la douche pour bien montrer qu'on est traumatisé. Un tic qui nécessite une bonne maîtrise de l'apnée, sinon on bascule vite dans la comédie. Tic numéro 45, la tête qui sursaute à cause du coup de canon dans le cimetière militaire pour bien montrer que le bruit du canon vous rappelle celui de la balle qui a tué votre pote.